Mon frère, ma soeur, ce quand tu dis clairement de dire merci à Jésus. Moi, je lui dis merci à chaque seconde, à chaque instant. Je dis, Seigneur, merci de ce que encore ce jour, tu me donnes la respiration. Je dis merci de ce que encore ce matin, tu me donnes la vie, la force. Tu as permis que je vienne dans ta présence, encore venir t'adorer. Jésus, merci pour ma famille, merci pour toutes mes connaissances, mes frères et sœurs, mes parents, mes collègues. Merci pour la vie de souverain, ses autorités. Merci pour la Côte d'Ivoire, ses autorités. Merci. Amen. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Et là, la voix, prie. Dis merci à Jésus. Merci au Seigneur, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Merci Jésus. Et chante son nom. Oh, 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 oh. Prie. Faut prier. Merci pour ta femme, merci pour ton mari, merci pour ton église, merci pour ton pasteur, merci pour ton patron, tes chefs, pour le dire, pour le mettre au Seigneur pour ça. Alléluia. Quelqu'un peut-il élever la voix dans le peuple pour dire merci à Jésus pour tout ce qu'il fait pour nous et qu'il fera encore pour nous, encore ce matin? Quelqu'un peut dire merci au Seigneur? Malgré nos péchés, malgré les méchancetés du cœur de l'être humain, Père Céleste, tu ne nous as jamais abandonnés, tu ne nous as jamais oubliés, tu ne nous as jamais délaissés, Père Céleste. Tu nous nourris, tu nous revêtus. Tu combats pour nos vies. Tu nous arraches, Seigneur mon Dieu, de tout mains des méchants de ce monde entier, Père Céleste. Nous vivons à cause de toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous sommes en paix, en joie, en liberté, à cause de ta bonté, à cause de ton immense amour, Père Céleste. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes tous, éternel mon Dieu, unis en ta face, Seigneur mon Dieu, en ta présence, Seigneur mon Dieu. Et nous rendrons, éternel mon Dieu, gloire à toi, Père Céleste. Et nous élevons ton nom, qui est au-dessus de tout nom, qui a sauvé, Seigneur mon Dieu, le monde entier. Père Céleste, merci pour ta bonté infinie. Au nom de Jésus-Christ, amen. Une deuxième personne, pour dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Éternel mon Dieu, l'homme depuis la création, Seigneur, a désobéi, mais tu n'as pas tenu compte de cela, Baba de gloire. Tu as toujours été avec nous, Seigneur. Tu nous as toujours gardés, tu nous as toujours protégés. C'est pourquoi ce matin, nous te disons infiniment merci pour toute ta grâce dans notre vie, ô Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole pourrait dire maintenant qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je célèbre ton nom. C'est pourquoi je glorifie ton nom. C'est pourquoi j'élève ton nom. Seigneur, Père de gloire, les sorciers, les marabouts s'élèvent à chaque moment, à chaque instant contre notre vie. Mais tu es là, Seigneur, pour nous protéger. C'est pourquoi ce matin, je pourrais te calculer Belzibor, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, lorsque nous sommes dans la maladie, c'est toi qui viens et qui nous guérit. C'est pourquoi je pourrais te qualifier de Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Sois célébré, sois salmodié, sois exalté pour des siècles et des siècles. Au nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et tu dis puissant, amen. Ah. Il est bon de le célébrer, il est bon de le magnifier, de lui dire merci. Amen. Père, encore ce matin, nous te confions ce moment à tes mains, Jésus. Que ce culte soit dirigé par le Saint-Esprit. Que la chair et ses désirs se taisent. Que les démons ce matin encore soient consumés. Que les problèmes soient consumés
sur la croix du calvaire. Chacun ici ce matin reparte à la maison avec la joie et la paix. Et tu deviens puissant. Amen. Dis à ton voisin le temps de Dieu et le temps des hommes. Il n'a pas compris. Dis le temps de Dieu. On peut s'asseoir. Pour ce matin, mon frère, ma soeur, on va continuer l'enseignement du dimanche passé encore. Qu'est-ce que nous avons dit du dimanche passé? Le thème du message, c'est le temps de Dieu et le temps des hommes. Nous avons dit quoi? Que dans la Bible, ceux qui ont été amis de Dieu, ceux que Dieu a bénis, ceux que Dieu a élevés, ceux que Dieu a utilisés, c'est des gens non seulement qui consacrent leur temps à Dieu, mais aussi qui attendaient le temps de Dieu pour leur vie. Alléluia. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les églises? Pourquoi les chrétiens ne sont pas bénis? Dieu ne permet pas qu'ils rentrent dans leur destin parce que les chrétiens aujourd'hui sont pressés. Des pasteurs pressés, des chrétiens pressés. Les païens disent trop pressés arrivent en retard. Ouais, souvent les païens disent des vérités. Hein? Faut dire mais très fort. Frère, ce matin tu vas comprendre pourquoi le prophète Daniel a été protégé dans la fosse au lion. Qui croit en Jésus? Qui croit la Bible? Tu vas comprendre pourquoi Dieu a protégé Daniel dans la fosse au lion. Tu vas comprendre ce matin pourquoi Jésus-Christ, notre Seigneur, qui était être humain sur la terre en tant que fils de Dieu, toutes ses prières étaient montées au Père. Dieu les exaucait de manière instantanée. On dit à des chrétiens, non, j'ai prié, Dieu ne m'exauce pas. Moi, il m'exauce, hein. Ça, il m'exauce. Mais pourquoi il exauce certaines personnes et il n'exauce pas d'autres personnes? Pourquoi? Parce que ceux qui l'exaucent sont patients avec Dieu. Ils sont patients. Ils ne sont pas pressés. Dis Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont détruits à cause de ceux qui sont pressés. Ils sont pressés avec Dieu. Et le Seigneur, c'est la patience. C'est une vertu aujourd'hui qui manque à beaucoup de chrétiens. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous avons dit la semaine passée? Prenons tête de base dans Luc 14, versets 16 à 24. Luc 14, verset 16. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Très bien. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, va promptement à la place et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Amen. Dis Amen. Pasteur, lis Matthieu 22, verset 5. Matthieu 22, le verset 5. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. À son trafic. Prends français facile. Ma fille, tu as lu ça en français facile. Matthieu 22, verset 5. Oui.
Mais les invités restent indifférents. Et s'en vont l'un à son champ, l'autre à ses affaires. Dis amen. Les affaires, maintenant, tout le monde comprend ça. Mon frère, ma soeur, cette parabole-là, on peut l'enseigner pendant des heures, des jours, des mois, des années, ça n'a pas fini. Il y a beaucoup de révélations là-dedans. Jésus dit, un jour, il y a un roi qui a organisé une cérémonie de fête. Et il a envoyé des invitations à beaucoup de gens. Amen. Quand il a fini le repas, il a tué des bœufs, des moutons. Et quand le repas est terminé, il dit bon à ses serviteurs, allez-y m'appeler tout ce que j'ai invité. On va voir, un dit non, moi je me suis marié hier. Je n'ai pas le temps d'aller manger ce soir. On dit non, moi j'ai rendez-vous à Ingo. À quelque part, je n'ai pas allé manger. J'ai rendez-vous à 18h. Pendant le repas, c'est à 18h là. À 18h, j'ai rendez-vous à Ingo. On va devoir dire non, moi j'ai rendez-vous avec des amis, on les boit dans un maquis. Qu'est-ce qu'il comprend même? On a dit, elle dit non, ça c'est une femme. On a dit, mais le monsieur dit, il m'a dit non, j'ai rendez-vous avec des soeurs à 18h pour critiquer les gens. Bon, il m'avait, vous n'avez pas, il m'avait à la maison. Est-ce que vous avez, il y a des groupes de critiques des gens? La Bible dit, tous ceux qui avaient été invités, il n'y a pas quelqu'un qui a accepté l'invitation. Alléluia. Rien qui dit, ah, moi j'ai mon champ, j'ai mes affaires, je m'avais pris mes bagages. Je m'avais pris mes affaires, je ne peux pas avoir le temps d'aller à l'église. La Bible, tous ceux qui avaient été invités par le monsieur, au dernier moment, ils ont désisté. Le monsieur dit à ses serviteurs, allez me ramasser tous les boiteux, les pauvres, les mendiants dans les rues, envoyez-les pour remplir la salle de la fête. Il y a une grande révélation dans ce texte. La Bible dit, ces gens qui avaient été invités, ils ont préféré consacrer leur temps à leurs affaires, leur temps à leurs femmes, leur temps à leurs maris, leur temps à leurs copines, leur temps à leurs boissons, à leur groupe de critiques. Mon frère, ma soeur, cette parabole s'applique à tous les chrétiens, à toutes les églises du monde entier, à commencer par cette église. Personne n'a le temps pour Dieu. Personne n'a le temps pour Jésus. Personne n'a son temps pour faire son œuvre. Personne n'a son temps pour venir à l'église. Personne n'a son temps pour s'occuper de manière financière à son œuvre. Personne n'a son temps. Mais on a le temps d'aller dans les maquis, on a le temps d'aller gaspiller de l'argent dans les bistrots. Et ils sont les premiers à demander bénédiction à Jésus. Je vous dis tous, Jésus, c'est un homme d'affaires. Tu fais pour lui, il fait pour... Tu lui consacres ton temps, lui aussi va te consacrer son temps. Dis impuissant, amen. Mon frère, ma soeur, ce matin tu vas comprendre d'autres révélations terribles. Vous allez comprendre pourquoi Daniel a été sauvé dans la fosse au lion. Pourquoi Dieu l'a sauvé. Tu veux le savoir ce matin? Prends Daniel chapitre 6, pas du verset... 7 à 11. Daniel 6, verset 7 à 11. Oui. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant une quelconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. La Bible dit, voici des agents du diable, des méchants, ils étaient jaloux du petit Daniel. Parce que Christ était avec Daniel. Et la Bible dit, ces méchants sont réunis. Ils ont fait une assemblée. Ils sont allés voir le roi. Roi, tu vas signer un décret. Ce décret dira que quiconque dans ton royaume va adresser dans un temps de 30 jours des prières à d'autres dieux qu'à toi, cette personne va le jeter dans la fosse au lion. Les lions vont le manger. Est-ce que vous comprenez même? Ça dit, pendant 30 jours, on ne doit pas voir quelqu'un à Babylone qui doit adorer un autre dieu que le roi. Comment on peut adorer un être humain? Parce qu'ils avaient vu Daniel prier Dieu 3 fois par jour dans sa maison.
Et c'est comme même. Donc, comment faire pour condamner Daniel? Ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret. Donc, roi, il faut écrire le décret. Oui. Afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Oui. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait. Tu entends ça? Ça doit s'acclamer. Ça doit s'acclamer. Alléluia! La Bible dit, frère, Daniel, malgré le décret du roi, il dit, moi, je ne peux pas adorer de faux dieux. Moi, je ne peux pas adorer un être humain. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est lui que moi, Daniel, j'ai pris. Malgré le décret du roi, Daniel s'enfermait dans sa chambre. Et trois fois par jour, il priait son Dieu. Il consacrait son temps à Jésus. C'est pas écrit? Trois fois par jour. Il consacrait son temps à son Dieu. Il dit, ce Dieu que j'adore là, si je lui consacre mon temps, il va aussi consacrer son temps aussi à moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Tu entends ça? Malgré le décret du roi, Daniel louait son Dieu comme il le faisait auparavant. C'est fini? Alors, ces hommes entraient tumultueusement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Donc, les méchants sont venus dans sa chambre pour l'espionner. Est-ce qu'ils me suivent, les chrétiens? Et ils sont venus dans la chambre de Daniel pour voir. Est-ce que Daniel est en train de prier? Son Dieu. Quand ils ont vu, ils sont allés dire ça au roi. Roi, Daniel est en train de prier son Dieu. Pourtant, tu as signé une loi, un décret. Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Puis, il se présentait devant le roi et lui dit au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelques hommes, excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit. Les méchants ont fui. Ils ont couru, ils sont allés voir le roi. Monsieur le roi, n'as-tu pas signé une loi qui interdit de ne pas adorer un autre Dieu dans ton royaume? Voici que Daniel de Dieu sont dit depuis des jours. Ils ont pris ses photos. Ils l'ont filmé, mais qu'un prier. Bon, il n'y a pas, mais je m'en vais à la maison. Oui! Le roi répondit. Oui! La chose est certaine. Selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière trois fois le jour. Il y a un certain Daniel, un certain jeune homme s'appelle Daniel. Il dit, il a un autre Dieu qu'il prie, que lui, toi, roi, t'es Dieu là. Lui ne prie pas ça. Ce Daniel-là, on doit le jeter dans la fosse au lion. Vous savez, quand tu pries là, les méchants se consultent. Dans le quartier, les voisins vont commencer à te persécuter parce que tu pries. Quelqu'un qui prie, et s'il vous a tué, vous a fait du mal. Parce que la prière les dérange. Impuissant même. Ma fille, va au verset 15. Verset 15. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense et tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Monsieur le roi, toi-même, tu sais, quand tu signes un décret, ça doit être appliqué. Tout ça pour accuser Daniel. Mais s'il savait quel Dieu Daniel priait, il n'allait pas faire ça. Si les sorciers de ta famille savaient à quel Dieu ils ont affaire, ils n'allaient pas faire ça. Dans ce temps, sur les réseaux sociaux, le prince
de Koweït a donné sa vie à Jésus. Il dit, il est prêt à mourir pour Jésus. Là-bas, quand tu chantes de religion, te tue. Il dit, je suis prêt. Si je meurs aujourd'hui, je m'en vais devant Jésus. Alors, acclame Jésus, le roi de gloire. Alléluia. Oui, ma fille dit quoi? Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. La Bible dit, le roi, il a dit à ses soldats, allez-y, prends Daniel. Il prie notre Dieu. Jetez-le dans la fosse où il y a les lions. Des lions qui ont fait près de 3 mois sans manger. Et si comprenez. Puis ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi prit la parole et dit à Daniel. Oui. Puisse ton Dieu, que tu sais avec persévérance, te délivrer. Donc le roi dit à Daniel. On va te jeter dans la fosse aux lions, chez les lions affamés. Là. On voit que ton Dieu, que tu pries à chaque instant, 3 fois par jour, là, on voit s'il va te protéger. Est-ce que les chrétiens me comprennent ce matin? Dis Satan, sors de ma famille. Si tu savais quel Dieu je prie, tu n'allais pas m'attaquer. Ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? On apporta une pierre et on la mit sous l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands afin que rien ne fût changé à l'égard des lions qui ont fait des mois sans manger. On a pris Daniel, on l'a mis chez les lions dans la fosse, dans le trou, pour que à peine qu'il descende, que ses os soient broyés, que les lions le mangent cru. Le roi a pris son gros cadenas. C'est lui-même qui a fermé les trous. Il a mis la dalle et puis il a mis son cadenas. Il a mis son cachet dessus. Vous allez voir, quand on consacre son temps à Jésus, comment il fait dans la vie de quelqu'un. Et quand, souvent, il agit comme ça, les méchants sont déstabilisés. Qu'est-ce que c'est le méchant? Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille, le méchant? Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun, il ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Alléluia! Le roi, parce qu'il a été manipulé, dans le secret, il craignait le Dieu de Daniel. Il savait que Dieu était avec Daniel, il le savait. Donc toute la nuit, la Bible est restée à jeun. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait venir, il n'a pas fait venir une femme auprès de lui dans son lit. Ça, c'est jeune aussi. Donc, il n'a pas dormi. Ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. À 6 heures du matin, le roi s'est levé pour aller voir si Daniel vit. Ceux qui te persécutent là, ils verront que le Dieu en qui tu comptes ton temps est Dieu. Non, ton amen est mort, ton amen n'est pas puissant, ton amen n'est pas puissant. Il verra que le Dieu que tu adores n'est pas un petit Dieu. Oui, ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? En s'approchant de la fosse. Donc, le roi s'est approché du trou. Il appela Daniel d'une voix triste. Il pensait que Daniel est mort déjà. Il avait la crainte de Dieu, ce monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il prit la parole et dit à Daniel. Oui. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Dis amen, amen. Le roi demande à Daniel, alléluia. Le roi demande à Daniel, est-ce que le Dieu à qui tu consacres tout ton temps, tous les jours, est-ce que ce Dieu-là t'a délivré de la main de la gueule des lions? Est-ce qu'il a fermé la bouche des lions? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Un cantique pour la délivrance. Merci, ma fille. Ah ouais, dis-lui merci. Merci. Jésus est son nom. Merci, Jésus. Et Shaddai est son nom. Merci. Oh, 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 dis-lui. Merci Jésus.
t'a donné la victoire, dis-lui merci. Il t'a fait sortir de la mort, dis-lui merci. Jésus t'a donné la victoire, dis-lui merci. Oh. Ah ouais, dis-lui merci. Merci Jésus. Ah ouais, dis-lui merci. Jésus est son nom. Merci Jésus. Et Jada est son nom. Merci. Dis-lui merci. Donne la victoire. Dis-lui merci. Il t'a fait sortir de la mort. Dis-lui merci. Il t'a confondu contre l'ennemi. Dis-lui merci. Oh. Tu crois au Dieu de Daniel? Tu crois au Dieu de Daniel? Mais tu es assis, c'est que tu ne crois pas en ce Dieu. Tu crois au Dieu de Daniel? Tu crois en ce Dieu du choral? Alléluia! Le Dieu de Daniel, frère, c'est pas un petit Dieu. Alléluia! Le roi lui dit, Daniel, est-ce que ton Dieu à qui tu consacres ton temps tous les jours là? Est-ce qu'il t'a délivré de la gueule des lions? Daniel dit quoi? Oui, mon Dieu à qui je consacre mon temps tous les jours a envoyé son âme pour fermer la bouche des lions. Il a condamné leur bouche au nom de Jésus. Mais pourquoi Daniel a été sauvé? Parce qu'il consacrait son temps à Dieu. Il consacrait son temps à Jésus. Puisqu'il consacrait son temps à Dieu, Dieu a consacré son temps à lui. Qui veut que Dieu le délivre? Qui veut que Dieu le bénisse abondamment? Mais est-ce que tu consacres ton temps à Jésus? Voilà le problème. Ton temps, tu le consacres aux choses du monde, à regarder les films de 19h, à regarder les choses du monde. Dis impuissant Amen. On peut s'asseoir un instant ou bien on s'en va à la maison? Tu peux me donner 5 minutes? Oui, ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le roi fut très joyeux et ordonna qu'on fît sortir. Le roi était content. Ce roi avait la crainte de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Il avait eu confiance en son Dieu. Tu entends ça? La Bible dit aucune égratignure sur le corps de Daniel. Les lions affamés qu'ils ont vu Daniel, ils étaient bien rassasiés. Dieu a fermé la bouche. Dis un puissant Amen. Le Seigneur va fermer la bouche de tes ennemis. Maman. Le Seigneur va fermer la bouche de tes ennemis. Il va condamner la bouche au nom de Jésus. Alléluia. Ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi ordonna que ses hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse au lion. Tu entends ça? Ceux qui avaient accusé Daniel, le roi maintenant va ordonner qu'on les mette dans la fosse au lion à la place de Daniel. Tes ennemis seront jetés à ta place. Chrétien. Ils seront jetés. Merci. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il sauve un Daniel de la force au lion. Il sauve un Jonas du poisson géant. Il ressuscita des âmes de la mort. Il est le Dieu des miracles. Il sauve un Daniel de la force au lion. Du poisson géant, il ressuscita la salle de la mort. Il est le Dieu, il est le Dieu, il sauva, 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 il sauva
il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Oh là, merci. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu m'a fait d'abord te dire, tes ennemis seront jetés à ta place dans les difficultés. Tous ceux qui ont planifié le malheur, la honte contre toi, Dieu va les mettre à ta place dans cette situation-là. Qui croit ça? Qui croit ça? Qui croit ça? Mais à condition que tu lui consacres ton temps. À condition que tu lui consacres ton temps. Tu prends ton temps pour faire quoi? Pour critiquer? Chercher les maris des gens? Toi-même est mort, toi-même est mort, toi-même est mort. Il est le Dieu, bon, ma fille, ma fille, ma fille. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu. On peut s'asseoir un instant, prendre deux minutes, il est deux minutes. Regarde mon frère, ma soeur, regarde. Daniel a été délivré par le Seigneur parce qu'il consacrait son temps à Jésus. Si c'est certains chrétiens aujourd'hui là, on leur a dit ça là. Il préfère ne plus faire mes prières. Parce qu'on va le tuer. La Bible, Daniel a fait confiance à son Dieu. Il lui a fait confiance. Dis impuissant Amen. Quand tu vas confier au Seigneur, tu lui consacres ton temps, tu lui consacres tes biens, tu lui consacres ta vie. Amen. Mon frère, ma soeur, pourquoi Daniel consacrait son temps à Jésus comme ça? Vous voulez savoir? Prenez-moi Daniel 2, verset 20 à 21. Daniel 2, verset 20 à 21. Vous devez comprendre pourquoi Daniel consacrait son temps à Jésus. Daniel 2, verset 20. À 21. À 21. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. » Tu entends ça? Daniel a compris que s'il consacre son temps à Jésus, il est capable de le délivrer dans les moments difficiles. Nous donnons le témoignage d'une vidéo que je viens de regarder dans cette semaine-là sur YouTube. Les sœurs qui sont pressées là. La sœur, elle était mariée à un jeune homme et le jeune homme a perdu son travail. Quand le petit a perdu son travail, la sœur a changé de nature dans la maison. Elle a commencé à montrer sa vraie nature diabolique. Le frère dit, « Ah, pour me faire quelque chose à manger, tu m'as bien regardé. C'est moi qui te fais à manger. Toi, un gros garçon, tu ne fous rien, tu ne fais rien, tu ne me donnes rien, tu rentres, tu n'en Je te prépare pourquoi. » Amen. Il dit, « Ah, c'est parce que j'ai perdu mon travail, je cherche du travail, je n'ai pas encore gagné. » Un jour, elle est sortie. Elle a rencontré quelqu'un qui était dans une grosse voiture. Qui l'a invité. Là, c'est encore devenu grave encore. Là, elle sort, mais elle ne vient plus. Elle ne vient plus à la maison. Le monsieur court derrière elle. Maman, pardon, chérie, pas. Il m'a bien regardé. Est-ce que je suis toi, une femme que tu mérites? Tiens, celui qu'elle a rencontré, c'est un vendeur de drogue. Donc, il y a une jeune femme qui est dans le quartier qui voit le frère passer tout le temps. Elle le voit triste. Elle le dit, pourquoi tu es triste? Qu'est-ce que ma femme a fait? La sœur
a commencé à l'encourager, la sœur a commencé à l'encourager. Il ne faut pas pleurer, il faut laisser. Parce que Dieu fait bon. Puis la sœur a pris un peu d'argent. Ce n'est pas sa copine, ce n'est pas sa femme. Elle est dans le quartier, elle le connaît. Elle a pris un peu d'argent pour donner au frère. Il faut faire un peu des activités. Puis le frère de l'argent, il a commencé ses activités. Paf, ça a pris. Impuissant. Amen. Donc, le frère a pris la sœur qui l'a aidé dans les difficultés. Dis amen, oh. C'est là maintenant, un jour, la sorcière va voir le frère dans sa voiture en ville. Eh bien, c'est lui qui est là. Chérie, bébé. Le frère qu'elle a chassé là devenu bébé. Alléluia. Elle s'en va à la maison. Elle dit à sa maman, j'ai vu mon mari là. Et aujourd'hui, il a commencé à me chuter. Sa mère dit quoi? Sa mère, vraiment, c'est une bonne femme. Elle dit quoi? Ton mari que tu as insulté, si tu as humilié devant tout le monde là, tu dis quoi? Non, ma fille, pas faire des choses comme ça. Ma maman, faut pas dire ça. C'est mon mari. Elle était pressée. Elle n'a pas consacré son temps dans les difficultés aux frères. Aujourd'hui, l'œuvre du diable, la grande activité du Satan, c'est de nous mettre dans la fosse au lion. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont mis dans la fosse au lion par des mensonges. Des gens dans la fosse au lion, on l'a menti sur eux, ils sont dans la fosse au lion. Satan planifie la fosse au lion. Beaucoup de personnes traversent des moments difficiles. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Il faut lui consacrer ton temps. Oh, 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 chrétien, 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 chrétien. Il faut lui consacrer ton temps. Continue de prier. Continue de jeûner. Continue de faire ton offrande, tes dîmes à Dieu. Continue de servir. Et si tu me suis, continue, persévère. Frère, la force au lion, c'est quoi? La force au lion, c'est quoi? Beaucoup de gens sont dans la force au lion. La force au lion, mon frère, ma soeur, c'est les temps, les moments difficiles, les circonstances difficiles et négatives auxquels tu fais face. C'est aussi les moments compliqués que tu traverses actuellement. Il y a des gens aujourd'hui qui me permettent de traverser des moments difficiles. C'est la force au lion. Satan fait ça pour que tu abandonnes Jésus. Dis, je refuse ça. Si c'est certains pasteurs, certains chrétiens aujourd'hui, on l'attend de le mettre dans la fosse au lion. Il va dire, non, c'est bon, j'ai appris prier, j'ai appris prier Jésus, j'ai appris le prier. J'ai appris le prier, laissez-moi. Dieu permet la fosse au lion pour voir vraiment ton cœur. Si tu lui consacres ton temps, là où tu es assis ce matin, il m'envoie vers toi, ma fille. Il m'envoie vers toi pour te dire, il va t'enlever de la fosse au lion. Il va fermer la bouche des caïmans, la bouche des lions, la bouche des sorciers qui est enlevé contre toi. Il vous dit amen, Père Chrétien. Dis amen. Il va casser les mâchoires au nom de Jésus. Je commande et j'ordonne. Là où tu te trouves dans une fosse au lion, dans des moments difficiles que tu traverses, à l'instant j'ordonne, je commande que ce temps compliqué se transforme en un temps de gloire. Là où tu es assis, là, regarde, ne faut pas pleurer. Jésus est puissant pour te délivrer de la force au lion. La force au lion, c'est quoi encore? La force au lion, c'est quoi encore? C'est quoi? La force au lion, ce sont les moments compliqués, comme je l'ai dit. C'est aussi les menaces des méchants et des sorciers qui pèsent sur ta vie. Les sorciers te menacent, c'est une force au lion. Les méchants te menacent, c'est une force au lion. Alléluia. C'est quoi encore? Ce sont les projets de destruction, les complots maléfiques de malheur planifiés contre toi par Satan et tes ennemis. Qui a mis Daniel dans la fosse au lion?
C'est qui? Ce n'est pas ses ennemis? Ce n'est pas ses ennemis? Tes ennemis sont, t'ont mis dans ces moments difficiles-là pour que quand ils te voient, ils vont te voir pleurer. On va voir comment il va faire. On va voir comment il va s'en sortir. Ah! Dis, tu vas voir! Quand le roi a vu Daniel, il dit, mettez ses ennemis à sa place dans la poste du lion. Frère, je commande, j'ordonne, les moments compliqués que tu traverses là, que tes ennemis soient à ta place maintenant dans ce moment compliqué. Maman, si c'est un moment de malheur, moment de problème financier, que tes ennemis soient à ta place. C'est ton mari. C'est ton mari. Ah, si c'est ton mari, si c'est ta femme qui te crée un moment difficile, si c'est ton mari, si c'est ta femme, la force de Dieu, c'est pas bon, hein? Dis à l'instant où je parle, au nom de Jésus, tout lion satanique qui a ouvert sa bouche, sa gueule contre moi, à l'instant que sa bouche soit fermée, que sa gueule soit fermée. Prie que sa gueule soit fermée, que sa gueule soit fermée, que sa gueule soit fermée. Alléluia. On peut continuer? Tu peux m'accorder une minute, tu peux m'accorder une minute. Le message est très long, mais on va s'arrêter là. La force de Dieu, c'est quoi? Ce sont les attaques du diable et des méchants à cause des temps que tu consacres au Seigneur comme Daniel. Quand quelqu'un consacre son temps à Jésus, le diable l'attaque. Satan l'envoie dans la force du lion. La force du lion, c'est quoi encore? C'est la méchanceté. La jalousie des hommes et des femmes qui se dressent contre toi pour te détruire. Ce sont les combats et les batailles spirituelles dans lesquelles tu es engagé pour ton salut, pour le salut de ta famille, de ton foyer, de tes affaires. C'est un combat. Dis, c'est un combat. Mon frère, ma soeur, les biens de ce monde auquel tu consacres ton temps pour ne pas te sauver autant difficile. Les lions, alléluia, les lions ne peuvent pas dévorer ceux qui consacrent leur temps à Jésus. Aucun lion ne peut te dévorer. Aucun lion ne peut te dévorer. Oh, le papa a été. Depuis près de 9 ans, 10 ans, il traite des moments difficiles. Satan pense qu'il a eu. Papa, je déclare sur ta vie ce matin que le Dieu de Daniel va fermer la bouche de tes ennemis. Ils vont dire, mais le papa, on voulait qu'il s'ouvre aussi là. Là, il a été délivré. Impuissant. Amen. La force lion, c'est pas un petit problème, hein, c'est un gros problème. Et chacun, s'il y a un petit problème qu'il traverse, est dans une force au lion. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire n'est pas dans une force au lion. Qui n'est pas dans une force au lion? Qui est dans une force au lion? Qui est dans une force actuellement? Ce matin, tu vas sortir de là. Le roi viendra. Qui est ce roi? Jésus-Christ. Il viendra dire, sortez mon fils de la force au lion. Mettez à sa place les méchants qui l'ont mis là-bas. Mettez à sa place les sorciers de sa famille. Mettez à sa place les collègues sataniques. Mettez à sa place ceux qui le critiquent, la critique. Mettez à sa place les méchants qui le critiquent. Non seulement tu as consacré ton temps à Jésus, mais regarde, il faut aussi attendre son temps dans ta vie. Ne sois pas pressé. Dis à ton voisin, ne sois pas pressé. Ouais, le frère a été patient. Donné sa, consacré sa vie à Jésus. Il est venu si humble. Vous le voyez ici, non? L'humilité, c'est ça. Quelqu'un qui sait vraiment Jésus comme s'il est. Il me suit.
Une telle personne, il est dans une force. Dieu va le lever là. Dieu va l'enlever de là. Dis amen. Mon frère, ma soeur, prends-moi Ecclésiaste 3, verset 1 à 8. Ma fille, prends Ecclésiaste 3, verset 1 à 8. Pasteur, toi, tu prends Habakkuk 2, verset 2 à 3. Habakkuk 2, verset 2 à 3. Oui. L'Éternel m'adressa la parole et il dit. Mon frère, ma soeur, peut-être que Dieu t'a promis la bénédiction. Dieu t'a promis que tu seras élevé. Alléluia. Mais tu ne vois pas encore l'accomplissement de la bénédiction. Qu'est-ce que tu dois faire? Écris la prophétie, grave-la sur des tables. Écris la parole, écris la révélation, écris la prophétie que Dieu t'a donnée, écris la date, l'heure. Il faut écrire ça. Oui. Afin qu'on la lise couramment. Oui. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Tu entends? Dieu a fixé un temps pour te délivrer, pour te bénir, pour te guérir. Regarde, là où tu es assis, un matin, tu seras surpris. Tu seras, oh, chrétien, eh, Seigneur. Maman, tu seras un matin surprise. Croyez, croyez en Jésus, croyez la parole. J'ai dit croyez. Malgré les difficultés, parce que quand tu ne peux pas passer, Dieu ne voit pas. Il te voit. Mais il a prévu un temps pour te sauver, pour te délivrer, pour te bénir. Chacun a son temps et Dieu. Mon temps n'est pas le temps de frère là. Son temps aussi n'est pas mon temps. Dieu l'a béni, j'attends mon temps. Ma fille, prends Ecclésiaste 3, verset 1 à 8. Ecclésiaste 3, verset 1. Oui. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout sous le ciel. Oui. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Dieu a le temps de chaque chose sur la terre des hommes. Il n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance. Il a prévu un temps pour toi. Un temps pour te marier. Un temps pour te lever. Un temps pour t'apporter la victoire. Un puissant amen. Un temps pour... Hey, chrétien! C'est la vérité, crois, 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 crois. Tu seras surpris un matin. C'est ça que je veux dire, la vérité. Un Dieu ne se presse pas. Nous, on est patients. On est patients. Depuis dedans, on est patients. Nous sommes patients, la patience. Un peu, un matin. On sera surpris. Ouais. Tout récemment, quand on est parti à Takoradi, ça nous a permis de payer les appareils des directs. On sera surpris. Croyant en Jésus, humainement, ce n'est pas facile. Mais tous ceux qui ont été comme Daniel là, Dieu ne les a pas abandonnés. S'il n'a pas, je t'avais dit, c'est qu'il n'est pas Dieu. Mais puisqu'il est Dieu, dis, puisqu'il est Dieu. Il va t'arracher la force du lion. Il va t'emmener dans les difficultés financières. Même si tu n'as pas mangé hier, sache que cette force du lion-là, ce matin, ça va finir. N'enviez, moi j'ai toujours dit à mes enfants, n'enviez personne. N'enviez pas quelqu'un. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens disent des pactes avec le diable. Et oui, la vérité, beaucoup s'en vont à l'enfer doucement, calmement et gentiment. Que Dieu m'en garde. Je vous ai dit, une fois, il y a un qui m'a appelé d'Abidjan. Il dit, non, on a une plateforme là. Je veux que tu sois dedans parce qu'on m'a dit que Dieu est avec toi et puis tu as une chaîne de télévision. Donc, il faut venir dans notre groupe, dans notre plateforme. Ils ne savaient pas que moi, je les attendais depuis des années. J'ai ri. J'ai dit, frère, il m'a dit le nom de leur chef de file. Il dit, ah, c'est très bien. Mais moi, tu sais, je suis un mauvais pasteur. Comment je peux être dans le groupe des bons pasteurs?
Vous comprenez que je lui ai dit non? Mon frère, je suis dans mon petit coin haut. Amen. Vous n'avez pas trop d'argent là, je ne suis pas dedans. Si Dieu m'a donné ses âmes, il ne m'a pas donné. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, bien sûr, Dieu les a appelés. Mais à cause de la force lion, il dit des pactes dans les loges mystiques. Beaucoup que vous voyez, beaucoup sont dedans. Aujourd'hui, ils vont se faire consacrer. On leur donne des épées et de grosses bagues noires. Alléluia. Il y a de grosses bagues noires. Il y a un deuxième qui m'a fait la proposition aussi. J'ai dit à ma femme, il ne sait pas d'où je viens, d'où je m'en vais. Oh, mais la même puissance, amen. Et depuis 20 ans, j'étais dans la souffrance, dans la force de lion, Dieu m'a toujours délivré. C'est pas maintenant où j'arrive à manger un pain, mais là, j'aime me mettre dans les bêtises. Que Dieu m'en garde. Dis que Dieu m'en garde. Chorale, est-ce que tu m'attends? Dis un puissant amen. Croyant Jésus, consacrez votre vie à Jésus, consacrez votre temps au Seigneur, servez-le de tout votre cœur. Un matin, vous serez surpris. Un matin, vous serez surpris. Vous serez surpris. Tu seras surpris. Dis à ton voisin, tu seras surpris un matin. Pendant que je commande, je ordonne la force au lieu dans laquelle Satan t'a placé. Sors de là. Sors de là. Ton cœur qui est dans le chagrin, sors de là. Que la paix ce matin vienne dans ton cœur. Que la joie vienne. Au nom de Jésus. Ne pleure pas. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Ne pleure pas. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne pleure pas, femme. Ne pleure pas, frère. Christ est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Amen. Confiez votre vie à Jésus. Continuez à le servir. Continuez à consacrer votre vie à Jésus. Continuez. Si les Arabes sont dans leur vie à Jésus, c'est parce qu'ils ont vu qu'il est vraiment le Dieu vivant. Tu m'as compris. Le mois prochain, vous allez voir comment Christ consacrait son temps à Jésus, à Dieu, à son Père. Et comme il faisait, puis Dieu les exauçait. Amen. Il peut le faire pour toi. Ce que Dieu a fait pour Daniel, il peut le faire pour toi. Tu crois ça? Tu crois ça? Lève-toi doucement. Dis-moi Psaume 102, verset 14. Psaume 102, verset 14. Oui. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Tu entends ça? Le temps que Dieu a fixé pour avoir pitié de toi, ce temps est arrivé aujourd'hui. Ce temps est arrivé. Tu pleures depuis des années, tu pleures dans les difficultés, tu pleures dans la souffrance, ton cœur n'est pas en paix. Le temps que Dieu a fixé pour te faire du bien, ce temps est arrivé aujourd'hui. Si tu crois en ça, tes ennemis seront à ta place dans les problèmes. Ceux qui disent, on va voir comment il va faire là, ils seront à ta place dans les difficultés. Groupe musical, un cantique. C'est une prophétie. Dans le temps est fixé, elle m'achève sans but, elle ne mentira pas. C'est une prophétie. Dans le temps est fixé, elle m'achève sans but, elle ne mentira pas. Si elle t'a
est sans but. Elle ne mentira pas. Oh oui, c'est une prophétie. Oh oui, dans le temps est écrit. Elle marche et sans but. Et elle ne mentira pas. Quand je ferme les yeux, je vois une personne qui s'est mise à genoux, qui prie. Tu pries ça, tu mentes tout ton Seigneur dans tes prières. Seigneur, tu dis au Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Seigneur, ouvre mes sens spirituels, ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Le Seigneur dit de te dire ce matin-là, en ce jour-là, le temps qu'il a fixé pour ouvrir tes yeux, c'est aujourd'hui. Tu pries tout le temps pour ça. Tu pries tout le temps pour ça. C'est ta prière même, constante. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Vous allez voir quelqu'un gratter ses yeux, c'est la personne. Tes yeux s'ouvrent ce matin. Tes yeux sont en train de s'ouvrir. Le Seigneur me dit, tes yeux sont en train de s'ouvrir. Tu lui as demandé, il dit, c'est aujourd'hui. Le temps fixé, c'est aujourd'hui qui donne. La personne va crier, elle va commencer à gratter ses yeux. Tes yeux s'ouvrent. Le temps que Dieu a fixé pour ouvrir tes yeux, pour que tu vois le monde spirituel, pour que tu vois les anges, pour que tu voyes le monde spirituel, c'est temps aujourd'hui. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Les écailles tombent de tes yeux. Les écailles tombent. La première fois, ce que tu vas voir, les anges que tu vas voir, tu vas t'effrayer. Tu vas crier, tu vas pleurer, tu vas t'effrayer. Coup de musical. Je vais tout de suite. C'est une prophétie. Dans le temps est fixé, elle marche mais sans but, et elle ne mentira pas. C'est une prophétie, dans le temps est écrit, elle marche mais sans but. Soyez en esprit. Lève tes mains comme ça. La personne va. Et un ange qui lui impose les mains sur les yeux. Tu vois. Tu as tellement demandé au Seigneur. Seigneur, ouvre mes sens spirituels. Ouvre mes yeux pour voir ta gloire. Tes yeux s'ouvrent ce matin. Tes yeux s'ouvrent. Les écailles tombent de tes yeux. Le Seigneur va te montrer la venue de ton voisin qui est là, à côté de toi. La personne qui est à côté de toi, à ta droite. Quand tes yeux vont s'ouvrir, à l'instant, le Seigneur va te montrer la vie de cette personne. Allons doucement. Qu'est-ce qui se passe? Tu pries beaucoup aussi pour ton commerce, tes activités. Ton content prend un coup. Que Dieu fasse que tes activités progressent. Le Seigneur te dit, à l'instant qu'il t'exauce, que le temps qu'il a fixé pour bénir ton commerce est arrivé. Le temps là, tu vois, regardez ce qui se passe. Le temps est arrivé. Ton commerce sera béni. Ton commerce, la main satanique la quitte sur ton commerce. Ça quitte. Ça quitte. Ça quitte. Attrape-la. Ça quitte. Elle n'est pas la seule. Beaucoup prient pour leurs activités, leurs affaires, leurs activités. Le Dieu me dit de vous dire le temps qu'il a fixé pour vos affaires, pour que vos affaires
sois boosté. Ce temps est arrivé aujourd'hui. Il dit, mais la différence entre vos activités et les activités des païens. Frère, donne-moi une notion. Donne-moi une notion. Vous nous connaissez, les cantiques. La maman là, j'ai prié pour elle. Vite, vite, vite. Cette femme, Seigneur, je la moins Dieu. Je bénis ses mains. Au nom de Jésus. Le démon, il a péché. Je tente dans ta présence prophétique. Je bénis sa vie. Je commande et j'ordonne que tous ceux qui travaillent des mondes dans leurs activités à l'instant. À l'instant que c'est moins compliqué, difficile dans vos affaires, dans vos activités, à l'instant, s'efface par le sang de Jésus. Seigneur, bénis cette femme. Non! Jésus-Christ, une fille de Dieu vivant. Le Seigneur dit de te dire, il faut te confesser. À cause de ton impatience, à cause de ce que tu es pressé, ta vie est bloquée, tes prières sont bloquées. Moi, Dieu, je ne te prie pas de prier. À l'instant où tu es arrêté, tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, je confesse que vraiment, je ne consacre pas mon temps vraiment à toi. Alléluia. Je ne consacre pas mon temps à toi. Seigneur, tu demandes pardon. Prie, le Seigneur, prie, demande pardon. Demande pardon, prie, demande pardon, Seigneur. Dis, Seigneur, je ne vraiment demande pas pardon. Je ne consacre pas mon temps à toi. Je ne consacre pas mon temps à toi, à ton œuvre. Prie, demande pardon, Seigneur, pour ça. Demande pardon. Tu ne consacres pas ton temps à Jésus, c'est pas bon. Consacre. Prie. Confesse. Prie. Je vais dans ta voix. Seigneur, pitié de moi. Je ne consacre pas vraiment mon temps à ton œuvre. Je suis pressé, Jésus. Cela bloque ma vie. Prie, Seigneur, pardonne-moi. Tout le temps, je connais mon temps à des futilités. Prie, ne m'aimez pas. Alléluia! Alléluia! Regardez, levez-vous doucement. On va nous sur nos vies les temps compliqués que Satan a mis sur nos vies. Tu crois en ça? Il faut parler, ça va s'annuler ce matin. Dis à l'instant même. À l'instant même. Fais par votre puissance. Dis à l'instant même. À l'instant même. Je me tiens dans le sang de Jésus. J'ennuie ce matin sur ma vie. Tout temps compliqué. Tant de maladies. Tant de souffrances, d'échecs, de blocages, de malheurs, de honte, problèmes financiers, tant de malheurs. Ce matin, je t'ennuie sur ma vie. Regardez ici. Attrape ta soeur, ton frère comme ça. Et puis tu pries pour ton frère, ennuie tant de malheurs sur sa vie. Tu as compris?
Ouais, on n'a pas commencé à prévoir ça. Ceux qui ont été sincères dans leur confession de péché, ouais ça. Ouais ça. Il y a quelque temps, il y a une sœur qui a failli, elle a failli abandonner la main du Seigneur. Elle a failli abandonner la main du Seigneur Jésus à cause des temps difficiles qu'elle traversait. Le Seigneur me dit de te dire, si tu l'abandonnes, tu laisses sa main, le diable va te détruire. Satan va te détruire. Prenez-vous deux. Vous voyez ça? Tu crois en Jésus? Tu crois en Jésus? En nous, la vie de ton frère, ta soeur, tout temps compliqué, tant de malheur, il faut l'ennuyer sa vie. Alléluia! Tant de soucis, ennuyer ta vie. Prie pour ton frère, pour ta soeur, prie. Dis, j'ennuie ta vie, à tous les temps de malheur, tout temps de souffrance, tant de honte, je l'ennuie ta vie au nom de Jésus. Prie. Il faut prier, dis Seigneur. Ce matin, j'ennuie sa vie, tout temps de souffrance, tant de malheur, tant de blocages, problèmes financiers, tant de problèmes financiers, je l'annule ta vie. Je l'annule aussi ta vie. Au nom de... Prie pour ton frère, prie sur les hommes, prie. Tant de malheur. Comment est-ce que c'est? Tant de souffrances, de l'annule. Tant de maladies, annule ça sur ton frère. Tant de soucis, il a annulé ça sur ton frère et ta soeur, au nom de Jésus. Il faut annuler au nom de Jésus. Il faut annuler. Annule. Alléluia! 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 Dimanche prochain, on va finir le message et puis on va beaucoup prier. Tu me suis? Assois-toi, il faut t'asseoir. On prie pour la soeur rapidement. Tu as compris? Il ne suffit pas d'aller rapidement. Dimanche prochain, c'est la fin, le finish du message et puis on va beaucoup prier. Pour que tous ces temps compliqués se transforment en des temps de joie. Qui est d'accord? Invitez les gens. Certains sont partis en vacances, mais il y a des gens qui sont venus. Il y a plein de gens encore dans la vie de Soubré. Amen. Invitez-les. Dimanche prochain, il faut que tu viennes en jeûne. Tu m'entends? Ces temps-là, il faut que ça change. On va aller ici. Maman, viens ici. Maman qui est là. Puis la soeur, il y a une petite fille là-bas, jeune homme là. Il faut la faire venir. Celle-là aussi, c'est celle-là. Il y a une suite. La suite, viens. Faut l'envoyer ici, celle-là. Faut l'envoyer ici. On va annuler ces temps difficiles-là. Les temps difficiles ne sont pas pour nous. Amen. Seigneur, merci pour cette maman dont le commerce est maintenant boosté. Béni. Que ses activités, son travail, sois béni. Envoie-la ici. Non! Jésus. S'il y a un démon dans ce corps qui empêche ses affaires de progresser, il le chasse. Si c'est un esprit humain, je le chasse. Sois d'elle. Qui es-tu? Elle boit le sang de Jésus. Sors!
Sors, il faut sortir. S'il y a un démon dans ce corps qui empêche son corps d'avancer, ses affaires d'inventer, ce démon, envoie-la ici. Attachez les pieds, hein, attache, voilà. Faites attention à son bras. Couchez-la comme ça. C'est la fille de qui? C'est la soeur de qui? Un instant, j'ai prié pour elle, puis j'ai prié pour vous. Ne vous inquiétez pas. Attention à son bras. C'est mal attrapé. Voilà, ma fille, mets son bras en bas. Voilà. Vous la faites tourner. Voilà, comme ça. Vous la faites. Bon, attendez, laissez-la. Le demeure, il est coriace. Bon. Toi, si tu es un esprit humain qui la met dans les difficultés, dans les temps de difficultés, dans des temps de problèmes, dans des temps de soucis, allez, sors. Sors d'elle. Sors. Attention. Sors d'elle, te chasse. Sors d'elle. Pas me toucher, hein. Le sang de Jésus. Toi qui lui donnes des moments difficiles, ceci est le sang de Jésus. Je lui enlève tes bagues. Lève-toi au nom de Jésus. Tiens-toi debout. C'est un ordre. Tiens-toi debout. Démon, tiens-toi debout au nom de Jésus. Qui es-tu? Je retire tes bagues à son doigt. Vous voyez? C'est un démon qui l'a marié. C'est la fille de qui? C'est la soeur de qui? Qui la connaît? Qui l'avait envoyé? Il n'est pas là aujourd'hui. Tu caches son doigt parce que tu l'as marié, non? Tu l'as marié? Qui es-tu parles? Nous, le démon cache son doigt. Il ne veut pas que j'enlève la bague. Laissez, attendez. Attendez, mon frère. Je vais le paralyser. Démon, je te paralyse au nom de Jésus. Je te paralyse. Maintenant, sors tes doigts ici. Donne-moi tes doigts. C'est un ordre au nom de Jésus. Je te paralyse. Je te cloue au sol. Au nom de Jésus. Maintenant, montre-moi tes doigts. C'est un ordre. Montre-moi tes doigts. Tourne-toi sur le dos. Je t'arrache l'âme de cette jeune femme. Je t'arrache son âme. Je t'arrache sa vie. Les temps difficiles que tu lui as donnés, ce matin, je l'annule sur sa vie. Au nom de Jésus. Ton mariage avec elle est brisé. Tu es un démon bien-être humain. Je suis le sang de Jésus. Elle boit le sang de Jésus. Voilà. Elle parle. Faut parler. Elle parle. La moins d'huile, au nom de Jésus. Lève-toi. Allez, lève-toi. Tu paralyses en elle. La moins d'huile, au nom de Jésus. J'en ai tes marques sur sa vie. Tes alliances sur elle, je l'annule. Au nom de Jésus. Lève-toi, c'est notre. Lève-toi. Démon, lève-toi au nom de Jésus. Ton mariage ce matin est annulé. Ça, c'est pas un petit démon là. Un gros démon. Et là, il cache ses doigts parce qu'il a mis là-bas des alliances de mariage sataniques. Dis, ta mission est terminée. Et c'est lui qui lui crée les problèmes difficiles. Mets ça sur son pied. Hula. Mets ça sur son pied. Voilà. Tout ça, c'est lié. Comment ça s'appelle? Merci. Comment ça s'appelle? Vous avez fait ça, comment ça s'appelle? Hein?
J'appelle l'âme de cette jeune femme. J'appelle son âme dans son corps. J'appelle son âme dans son corps. J'appelle l'âme de cette jeune femme des profondeurs des eaux de son village, de sa région. Ce matin, j'annule sa vie. Tout programme de difficulté, les temps compliqués que le diable a mis sur leur famille, sur sa vie, ce matin, je l'annule au nom de Jésus. Elle s'est confessée. Démon, donc, montre-moi tes doigts. C'est un autre. C'est ta femme. C'est ta femme. Où tu l'as mariée? Avec qui tu l'as mariée? Tu l'as mariée à qui? Hein? Je brise tes chaînes à ses pieds. Je brise tes chaînes à ses pieds au nom de Dieu. Voilà. Je la moins d'huile. Tes temps de malheur que tu as mis dans ses pieds, je l'annule. C'est fini. Nom de Jésus. Mais la plante de ses pieds. Voilà. Une onction. Envoie, ma fille. Envoie-lui. J'ai la moins d'huile. Tes bagues sont brisées. J'en eus tes bagues à ses doigts. Voilà, tes bagues. Sur le sang de Jésus. C'est un démon guerrier. Un démon. Voilà. Attention à son bras. Laissez-la voir. Avance, laissez-la voir. Laissez. Donne-moi une onction. Ceci est le sang de Jésus. J'annule tes bagues à son toit, tes alliances. Elle boit le sang de Jésus. Parle, allez. Voilà. Elle boit le sang de Jésus. Voilà, les démons n'aiment pas l'huile. Elle vomit ta malédiction. Elle vomit tes temps difficiles. Elle vomit tes temps de malheur. Elle a pris le sang de Jésus. Voilà. Tu es déjà rentré. Elle a déjà bu. Tu es déjà touché. Elle boit le sang de Jésus. Voilà. Tu vomis ton mariage. Elle vomit ton mariage. Ton masque, son visage est brisé. Au nom de Jésus. Ton masque est brisé. Je suis un moins de Jésus. Faut plus me toucher. Faut plus me toucher. Je suis recouvert du sang de Jésus. Sors, il faut partir. Esprit de maraboutage. Sors, non, Jésus, il faut partir. Mets ça sur le pied. Oui, ma fille, cantique. Elle marche vers son but. Mets ça sur ses doigts. Mets ça sur ses doigts. Elle boit le sang de Jésus. Elle vomit les nasigui qu'elle a bu. Elle vomit les nasigui. Sors, ma voix, en angèle, il faut sortir. Sors de la bouche, il faut sortir. J'arrête tes bagues à ses doigts ou non, c'est fini. C'est fini. Dis à mes chrétiens. Non, un cadeau de victoire. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Ton corps, il est vivant. Il a vécu la mort. Sa mort est engloutie. Elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire. Elle a gêné. Il y a un peu longtemps. Combien de mois? Un mois, c'est pas longtemps. Alléluia. Hmm?
J'annule tes alliances à son doigt. Voilà. Je brise tes chaînes à ses pieds. J'arrache ses pieds de bénédiction dans ta main. Tu lui remets ça au nom de Jésus. Maintenant, tes alliances de malheur, alliances de souffrance, tu l'annules à ses doigts. Au nom de Jésus. Allez, sors, faut partir. Sors. Faut sortir, sors. Faut sortir. Sors. C'est quelle alliance tu tiens en elle? Tu as tiré quelle alliance avec elle ou avec ses parents? Hein? Quelle alliance? C'est quelle alliance tu tiens en elle? Tu ne veux pas parler? Tu envoies le feu dans sa bouche, le feu dans ses oreilles, le feu dans son cœur, le feu dans ses entrailles. Où elle est couchée? Elle est couchée dans le sang de Jésus, dans le feu de l'Esprit Saint. Tu te consumes. Ton repos, lève-toi, le feu te brûle. Le feu te brûle, c'est fini. Ceci est le sang de Jésus que tu entends. Tu entends maintenant. Tu débouches ses oreilles. Le sang de Jésus débouche ses oreilles au nom de Jésus. Voilà, tu m'entends au nom de Jésus. Tu m'entends. Voilà. Tu m'entends au nom de Jésus. Tu envoies le feu dans ses oreilles pour te consumer. Le feu dans sa conscience pour te consumer au nom de Jésus. Maintenant, tu prends tes bagues. Il faut partir. Allez, il faut partir. Voilà. Maintenant, attention. Je me sens dans ses oreilles. Voilà. Tes alliances sont consumées. Tes alliances, j'ai arraché. C'est fini. J'ai arraché tes alliances. C'est fini. Lève-toi au nom de Jésus. Alors, une telle femme les cherchait de. Tu as mis ça chez toi à la maison sans délivrance. C'est grave. Voilà. Je déclare sa liberté. Je déclare sa vie. Je déclare maintenant que tes alliances sont mariées avec elle. C'est fini. J'annule ton mariage avec elle. C'est fini. Lève-toi. 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 Dieu veut parler avec moi. Je lis tes bras. Je lis tes bras. Je lis tes bras. Je lis tes bras, mon Jésus. Démon guerrier, lève-toi. Marie de nuit, lève-toi. Lève-toi, mets-toi debout. Mets-toi debout. J'ai annulé la bague, c'est fini, j'ai arraché la bague. J'arrache la bague au nom de Jésus, c'est fini pour toi. C'est fini, ton avenir avec elle, c'est fini. Voilà. C'est fini. Voilà. C'est fini. Voilà. Il a la bague, c'est fini. Mets ta main. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Son corps, il est vivant. Il a vécu la mort. Sa mort est tombée. Maintenant, elle vomit tes soucis. Elle éternue tes soucis. Elle vomit tes temps de malheur, temps de confusion. Elle vomit ça. Sors par ta bouche. Sors. Dis ta mission terminée. Sors. Elle te vomit. Sors. Sors par ta bouche. Sors. Sors par ta bouche. C'est fini pour toi. Sors par ta bouche. Au nom de Jésus. Regardez le démon. Regardez le démon. Et il sort, regardez, il sort. Un gros démon, un guerrier même. Il le jette dans son cœur. Il envoie le feu dans son cœur, au nom de Jésus. Je brise tes chaînes, c'est fini. Lève-toi. C'est non, c'est fini pour toi. Lève-toi. Lève-toi. Au nom de Jésus, il faut te lever. C'est fini, ton alliance c'est fini. Avec elle, c'est fini. Voilà. Lève-toi. Lève-toi. Le démon, il est paralysé. C'est fini pour toi comme ça. Elle n'est pas ta femme.
Il sort de son cœur. Ouais, il sort de son cœur. Il sort de son cœur. Il sort. Sort de son cœur. Dès qu'il sort, elle va vomir. Voilà, c'est fini pour toi. Sors. Feu dans son cœur. Feu dans sa gorge. Feu dans son ventre, dans ses entrailles. Sors. Prends tes bagages. Faut partir. Fini pour toi. Regardez, elle va pousser un cri, c'est fini. Mais il sort, il sort. Pousser un cri de défaite. Vois ça. Vois ça, regardez. Comment quelqu'un peut avoir une vie heureuse en Jésus si la personne n'est pas délivrée d'un tel démon? Voilà, tu es sorti, elle sort. Pousse ton cri de défaite. Pousse ton cri de défaite, il faut partir. Pousse ton cri de défaite. Pierre vomit tes œuvres. Pousse ton cri de défaite, au nom de Jésus. Tu libères son cœur, tu prends ta colère. Je te désarme en elle. Tu prends ta colère, tu prends tes œuvres, tu pars dans les abîmes. Voilà, tu es désarmé. Voilà, c'est fini. Il s'en va. Je te désarme. Libère son cœur, libère ton cœur. Prends ta colère, il ne faut pas dire. Ouais. Ouais, ouais, il sort de son cœur. Il sort de son cœur. Il sort de son cœur, il sort. Ouais, ça. Ouais, ça. Donc, quand elle est en colère, elle peut frapper Yoboué. Elle peut te botter. C'est fini. Là, c'est dans son cœur qu'elle était logée, le démon. Un démon guerrier. Il met en colère. Donc, elle, avec un homme, la met en colère. Pompe par là, le monsieur a peur d'elle. C'est fini. Il est ressuscité, il est ressuscité. Le Seigneur est vivant, le mort il est vivant. Il a vécu la mort, la mort est en doute. Elle n'a plus de pouvoir, oh victoire. Je délie son cœur, je délie sa volonté. Maintenant, elle n'est plus dans ta volonté, démon. Elle vomit ta colère, c'est fini pour toi aujourd'hui au nom de Jésus. Elle vomit tes alliances. Elle sort. Seigneur, l'étang donne un nouveau cœur à cette jeune femme. Jeune fille, reçois maintenant un cœur de chair, un cœur d'amour, un cœur de paix et de joie. Au nom de Jésus. Elle va se lever. Seigneur, accorde un cœur de joie. Un cœur humain, un cœur de chair. Plus jamais de colère dans ce cœur. J'ordonne maintenant qu'elle se lève, au nom de Jésus. Donc ce sont ces démons qui mettent les gens dans les moments difficiles, moments de palabres. De voir quelqu'un va se lever. J'ordonne qu'elle se lève. Au nom de Jésus. Sœur, Seigneur, je ramène sa conscience et son subconscient. Quelqu'un qui botte son fiancé, c'est grave. C'est grave. Seigneur, merci. Accorde maintenant à cette jeune femme un cœur nouveau, un esprit nouveau au nom de Jésus. Que la colère la lâche à jamais.
Sœur. Sœur. Donne-le-lui le tus. Pour les yeux. Merci, merci. Voilà, ferme. Tu n'entends pas mal, on fait ça. Sœur. Yako. Démon guerrier. Démon que. Quand Bablo dit que, c'est pas la peine. Où t'as main, chrétien? Démon que. Sœur. Ça va? Tu me vois? Regarde-moi, tu me vois? Tu as quitté où? Tu as quitté où? Tu as souffert ici? Tu vas dans quelle église? C'est mal. Ah, encore, c'est mal. Comment tu t'appelles? Charlotte. 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 Oh. Tu fais souvent parler en rêve? Avec qui? Avec des gens? Ils sont souvent combien? Tu les frappes? Physiquement, tu fais pas l'âme, tu fais beaucoup pas l'âme. Et ton chéri, tu le bottes. Mon petit, femme t'a frappé là, ça c'est le chapeau pour toi. Hein. Où est ton chéri? Où est ton chéri? Il est où? Il est où? On s'est laissé. Vous vous êtes laissé, à quoi de parler là non? Donc partout elle s'en va avec un homme, l'homme la laisse à cause de palabres. Viens ici, viens ici. Jolie femme comme ça là, viens. Qui t'a dit de venir ici à l'église? Il s'appelle Jean-Luc. Hein? Il s'appelle Jean-Luc. Jean-Luc. Il est parti, l'élève n'est pas venu. Il est en vacances. On dit Jean-Luc. C'est pas lui, c'est pas le papa, c'est pas Diaco. Diaco. Le frigoriste. Yako. Ah, t'as fait du bien, hein? Sinon, tu n'allais jamais plus avoir mari sur la terre. Hein? Bon, quand tu es en colère, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es en colère. Quand tu es en colère, comment ça se passe? Tu n'arrives pas à te maîtriser. Tu entends une voix qui te parle de frapper les gens? Seigneur, accorde lui un cœur nouveau, Jésus. Accorde lui un cœur nouveau, cette jeune femme. On fait pitié, hein. Il faut te retrouver d'abord, puis on cause, hein. Une adoration. Voilà. Elle est tombée là-bas aussi? Elle est tombée là-bas? Hein?